Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des défis sochoux de l'été. Donc là, c'était le défi numéro 2 qui était sur le thème esprit urbain. Donc le thème de la semaine, enfin le, oui c'est ça, le thème d'avant, c'était esprit, esprit de campagne. Donc là voilà, on part en ville et j'avais pas, encore une fois, j'avais pas grand chose, je trouvais de... Enfin, je trouvais que j'avais pas énormément de choix, donc déjà j'ai repris mon motif pardon, de briques. Donc j'ai utilisé encore une fois que des tampons Schoenflower. Alors là vous voyez une sélection de fleurs, mais au final vous allez voir à la dernière minute, je vais, enfin pas la dernière minute, mais j'ai changé d'avis en cours de route. Voilà. Donc là je suis en train de mouiller mon fond. Je vais travailler donc humide sur humide pour voilà. Pour un effet assez, je sais pas comment expliquer, mais en fait, j'avais une scène et je visualisais un mur, mais je voulais pas que ma fille soit, entre guillemets, collée directement contre le mur. Donc j'ai voulu un effet un petit peu plus estompé, vraiment comme si la mise au point de ma scène était sur mon personnage principal, donc qui est la fille avec son béret. Alors normalement il y a des petits feuillages autour de ce personnage-là dans le tampon, mais j'ai mis un petit scotch pour éviter justement que le feuillage vienne se faire. Bon, j'aurais pu le laisser parce que au final je savais que j'allais découper ce personnage, mais voilà, j'ai tout de suite voulu voir un petit peu ce que ça rendait sans travailler le feuillage. Donc là j'ai tout de suite commencé par la couleur de peau de mon personnage. Comme d'habitude je fais un mélange d'ocre et de rose avec un tout petit peu d'ocre brun. Et voilà, c'est le dosage qui fait que j'y arrive à peu près à obtenir une couleur peau, on va dire claire sur celui-là. Je crois que j'ai fait assez clair sur celui-là. Donc là je passe à mes petits lampadaires, j'ai essayé de les faire, je vais les foncer un petit peu par la suite, mais j'avais envie vraiment de les faire dans la couleur vert, vert comme les stations de métro à Paris. Hein. Donc voilà, donc je m'y suis prise en plusieurs fois pour essayer d'obtenir ce vert-là. Je crois dans la dernière couche, j'ai mis du vert avec un petit peu de... d'ivoire, de noir ivoire justement pour un petit peu désaturer mon verre, qu'il soit pas trop peps mais un petit peu ouais pour pas que, pour, je voulais pas que mon lampadaire il fasse flambant neuf, je voulais qu'il fasse un petit peu ancien aussi et voilà je voulais pas que le verre soit comme si on avait l'impression qu'il venait juste pardon d'être. Donc comme d'habitude hein, ça je le dis et redis mais je m'y prends rarement en une seule fois, j'obtiens rarement l'effet que je veux en une seule fois, donc j'hésite pas à repasser, à remettre des couches de peinture, à retenter des effets, etc. Parce que c'est rare que voilà que j'y arrive en une fois, on va dire. Enfin, c'est comme ça que je procède tout simplement. Hein. Je le redis aussi, c'est pas, je cherche pas à travailler tout de suite mes zones, je pourrais je pense parce que c'est possible de faire comme ça mais je pense qu'il faut être encore plus patient. Enfin bon bref, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, pareil mon fond je vais venir le travailler en plusieurs fois, donc là j'hésite pas à remouiller un petit peu mon fond alors que là il y a déjà une première couche d'aquarelle fine, enfin une couche assez diluée. Je veux vraiment que mes briques ressortent et que mon fond soit un petit peu plus clair. Les zones de briques sont un petit peu plus foncées, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, j'ai voulu travailler le rouge sans que ce soit trop étant non plus. Donc, enfin, vous allez voir le résultat. Bon, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, mais voilà, c'est pas... C'est pas un rouge brique pétant pétant non plus parce que je voulais, encore une fois, je voulais vraiment que l'accent se fasse sur mon personnage et je voulais pas que mon fond, si j'avais fait un, je pense que si j'avais fait un mur de briques rouges derrière, mon personnage aurait été
pas effacé, mais aurait moins été mis en valeur, je pense. Parce que le motif brique, c'est quand même un motif du coup imposant, on va dire. Donc, bon, heureusement, j'ai pas fait un mur entier de briques. Mais du coup, voilà, je pense que ça peut vite détourner le regard de ce qu'on veut mettre en lumière à la place. Donc voilà, si je m'étais trop, je pense, concentrée sur les briques, j'aurais pas eu l'effet escompté. Bon, après, c'est encore une fois, c'est parce que dans ma tête, je me fais une scène. Mais peut-être que vous, ça vous aurait pas choqué. Enfin bref. Encore une fois, l'aquarelle, c'est toujours du moment qu'on obtient le résultat de ce qu'on veut, peu importe le temps et la technique qu'on pratique. C'est vraiment. Voilà, c'est une question de rendu qu'on souhaite. Donc là, j'hésite pas à remettre une seconde couche de couleur, enfin de mon mélange de couleur peau. Vous allez voir, je vais essayer de travailler les ombrages et tout. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'ai toujours, toujours peur de faire des bêtises. Donc j'y vais, mais je me dis, ok, est-ce que je vais m'en sortir? Je sais pas trop parce que j'ai toujours peur de manquer de mon mélange, et si jamais je manque de mon mélange, il faut que j'arrive à le refaire exactement le même, et des fois c'est vraiment pas évident. Pareil, les cheveux, je m'y suis prise vraiment en plein plein de fois parce que je voulais une chevelure assez foncée. J'avoue que l'inspiration était là, alors je suis pas du tout allée voir des photos, mais j'avais un peu une inspiration Emily in the Paris là. Donc je voyais une brune avec son béret, alors forcément un béret rouge, et puis par contre le haut, je savais pas trop comment le faire. Alors j'aime bien aussi regarder ce que les autres font dans les défis, ça me permet entre guillemets de pas faire ce qui a été déjà fait en fait. Voilà, d'essayer de trouver l'inspiration ailleurs. Et en fait, donc déjà ils utilisaient beaucoup une fille pareil avec un béret, il me semble. Mais une fille avec des cheveux courts de chez Chou and Flower là. Et celui-là, je ne l'ai pas de toute façon, donc je risquais pas de l'utiliser. Donc moi j'ai pris celle-là, qui est du coup normalement une fille plus. Enfin, c'était une collection automnale. Enfin, je pense qu'elle sort d'une collection automnale, si ma mémoire est bonne. Et en fait, l'autre fille a plutôt une marinière, en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer de voir. Un autre style de vêtement qu'une marinière, puisque c'était le personnage qui était beaucoup beaucoup ressorti dans le défi. Donc du coup je me suis dit, il faut que je fasse autre chose parce que entre guillemets ça a déjà été fait et re-refait. Donc je vois pas l'intérêt de refaire la même chose. Et donc voilà, je lui ai fait un haut avec des rayures noires. Je trouvais que ça ressemblait. Alors encore une fois, je suis pas du tout experte dans la. Enfin, encore une fois, je vous l'ai jamais dit, mais je pense pas être experte en mode ni en couture ni voilà en quoi que ce soit. Mais je me suis dit que ça faisait un petit peu genre Chanel, voilà, un petit haut de Chanel quoi, un petit comment ça s'appelle? Elle a des trucs en tweed là, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas si on peut dire costume pour une femme, je sais pas. Un ensemble, voilà. Donc voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Bon, je sais très bien que c'est pas exactement ça. Ça fait plus pull, je pense, ce qu'elle a normalement d'origine. Mais voilà, moi c'est un peu ça que je voyais dans ma tête. Donc là, je suis en train encore une fois de revoir ma chevelure. Donc je suis tout doucement en train de la foncer tout doucement. Et puis j'essaye quand même de faire des nuances différentes dans ses cheveux, de pas voir quelque chose de trop uniforme, de placer de l'ombrage, de la lumière, etc. Donc ça me prend du temps. Et puis bien sûr, je remets là aussi de l'ombrage sur son visage en ayant une couleur peau un petit peu plus foncée. Alors là, vous voyez, j'ai changé mes fleurs du début, je suis passée sur des roses, donc c'est toujours du Chou and Flower. Hein. Mais alors ça, j'ai pas tout filmé parce que j'ai perdu mais un temps fou. Je crois que c'est la première fois que je perds autant de temps dans la mise en couleur. Mais ça a pris le temps ça a pris le temps que j'avais besoin pour rendre ce qu'il y avait dans ma tête. Moi, je voulais des roses, vraiment des roses foncées, des roses intenses,
au niveau de la couleur. Et à chaque fois, alors là, j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai pris d'abord mes couleurs d'aquarelle qui étaient trop peps, trop rose flashy. Enfin, pas rose, mais rouge flashy. Je voulais vraiment un rouge très intense, un rouge, vous voyez, le rouge sang très foncé. Et clairement, j'y arrivais pas, mais vraiment pas. Donc là, je suis passée. Donc là, j'ai utilisé mes Neo Color Duo de chez Carandache, mais vu que j'ai pas beaucoup de couleurs, je crois que j'ai que un ou deux rouges, donc j'avais pas la bonne couleur. Donc là, je suis passée au Aqua Grip de chez Faber-Castell. Donc là, voilà, j'ai passé à autre chose. Je me suis dit que j'allais faire des tests, donc j'ai attendu que mes fleurs sèchent une première fois pour faire mes tests, etc. Donc ça m'a pris vraiment. J'ai arrêté la caméra parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra et j'ai fait plein de tests, vraiment plein plein de tests. Le bon combo de couleurs pour vraiment réussir à avoir ce que je voulais, ça a été très long. Mais en soi, c'était pas grave. Moi, dans ma tête, je me suis dit, j'arrête de filmer, je vais prendre mon temps, vraiment chercher, voir ce que je veux, parce que bah, c'est important de pas. Enfin, c'est sûr que si on n'a pas beaucoup de matériel, on peut pas faire énormément de tests, mais c'est ça l'avantage quand on commence à accumuler du matériel différent, c'est que vraiment on peut les associer ensemble. Faire des tests de couleurs, de rendu, etc. De dire, ok, quand je mélange cette couleur-là avec cette couleur-là, et puis que je viens accentuer avec cette couleur-là, ça rend le mélange que je veux. Et ben voilà, c'est un peu ça ce qui s'est passé. C'est que je suis venue faire une première couche d'aquarelle. Après, je suis venue accentuer mon rouge, donc le faire un petit peu plus peps, un petit peu, enfin, pas peps, mais. Je voulais pas que mon. En fait, vous voyez là, ma première couche de rouge, elle fait un peu désaturée. Là, avec mon crayon de couleur, ça refait un petit peu plus foncé. Vous voyez, ça revient un petit peu plus lumineux, je trouve. Mais c'était pas encore ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de très très foncé. Et puis, bah, quand même, que j'arrive à faire des ombrages, etc. Donc voilà, donc là comme je vous ai dit, je vous ai un peu filmé, mais après je me suis arrêtée et puis j'ai fait mes tests. Bon, si jamais ça vous intéresse vraiment de faire à la limite qu'une vidéo sur une mise en couleur de fleurs, de ces roses-là par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vraiment m'arrêter là-dessus et vous expliquer les tests que j'ai faits, les différents rendus, ça peut être hyper intéressant. De justement tester les différents médias sur un même tampon et de voir que l'aquarelle ça se mélange très bien avec différents médias justement pour obtenir des effets différents. Donc voilà, donc là par exemple j'ai testé directement au crayon de couleur, enfin voilà. Donc je passe à autre chose parce que la vidéo va être assez longue comme ça. Oui, voilà, donc là je passe donc à le titre de ma page d'art journal. J'ai pris des planches de la collection Victoria Street où du coup il y a marqué, enfin il y a une sorte de tampons qui font un peu enseigne. Donc là j'ai essayé de le placer entre les deux lampadaires comme si c'était une publicité, vous savez, comme avant on peignait directement sur les murs pour faire des publicités. Bon, voilà, c'était un petit peu l'idée. J'ai placé mon rendez-vous en bas à droite parce que c'était histoire de combler un petit peu mon espace. Puis j'ai marqué pareil un petit peu plus tôt, enfin un petit peu plus haut, pardon. Voilà, bon, je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée, mais c'est comme ça que je l'ai fait, et puis point barre, c'est fait, c'est fait. J'ai utilisé ma planche de tamponnage, parce que c'est vrai que c'est hyper pratique pour pouvoir retamponner. Enfin, moi, en tout cas, je regrette vraiment pas mon achat. Je trouve que en fonction de ce qu'on fait, bah, des fois, je prends les blocs acryliques, et des fois, enfin, ma planche de tamponnage. Donc voilà, c'est vraiment, je regrette pas mon achat pour le prix que c'était en plus, parce que du coup je l'ai pris en promo si ma mémoire est bonne. Chez Craftelier c'est déjà pas très cher, enfin bon bref. Donc là j'ai pris une encre Distress et je suis venue prendre des tampons, vous savez la planche de tampons que j'utilise plein de fois, où dedans il y a des timbres, un petit peu, voilà, qui font un peu archive, etc. Donc voilà, j'ai fait des petites taches.
J'ai hésité à faire des grosses plaques avec mon pinceau, là, des grosses éclaboussures, puis finalement je l'ai pas fait. Oui, j'ai pas. Non, finalement je pense que ça aurait été un chouï un peu trop, je sais pas en fait. Peut-être que j'aurais dû oser. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Donc voyez là, mes fleurs, elles sont bien plus intenses et c'est exactement ce que je voulais que ça rende. Donc je suis très très contente d'avoir passé ce temps-là. J'ai tout découpé, ça a été très long, donc c'est pour ça que je l'ai également coupé. Je l'ai pas fait à la caméra, c'est pas très intéressant de me voir découper. Donc là, je viens avec du gris de paint faire un ombrage sur mes lampadaires, comme si pareil, ils étaient un petit peu usés, et, enfin pas usés, mais loin d'être neufs en tout cas. Et voilà, en plus de ça, bah, voilà, ça rajoute un petit peu plus. De réalisme assez lampadaire, même si encore une fois je cherche pas du tout à être réaliste, mais voilà, quand même à être plausible, on va dire. C'est peut-être mieux. Donc là pareil, je remets un petit peu de grid paint pour un petit peu accentuer des zones, etc. Là j'ai mis même un petit peu de noir ivoire. Et puis je viens atténuer en mettant un peu d'eau dans mon pinceau et je viens voilà, atténuer, reprendre un peu de pigment, etc. Voilà, histoire que le lampadaire, enfin les lampadaires ne fassent pas tout beau tout propre. Parce qu'à Poiry, ils sont pas tout beau tout propre, de toute façon. Alors là, je vais me munir de ma colle bloc de chez Craftly. Alors j'ai vu, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai vu que j'avais oublié de finir une rose. Donc forcément, je ne l'ai pas utilisée dans ma composition. Heureusement, j'en fais toujours trop. Donc j'ai eu le choix de, voilà, j'ai pu ne pas l'utiliser. Sinon, j'aurais été juste obligée de la finir, hein, mais ça m'aurait. Voilà, j'aurais coupé la caméra, je l'aurais fait hors caméra et puis j'aurais fini, mais bon. Donc là, je suis en train de tout doucement placer mes roses. Alors en dessous, j'ai mis de la mousse un petit peu. Vous savez, le double face avec en mousse. Donc c'est. Il y a une petite épaisseur. Donc ma fille est légèrement en décalé par rapport à ma feuille, ce qui me permet de facilement glisser mes roses en dessous sans galérer puisque j'ai déjà collé le personnage. Donc je viens tout doucement coller toutes mes roses. Une fois que je colle mes grosses roses, je vais venir coller mes boutons de roses ainsi que mes feuillages. Et je suis très contente du rendu parce que voilà, ça rend ce que je voulais. Je trouve que ça fait très ambiance romantique ouais, une parisienne avec voilà, entourée de roses. C'était voilà, ambiance romantique, vieux Paris, etc. Donc bon, certains quartiers de Paris sont loin d'être aussi romantiques, hein, mais, voilà, autant garder un joli Paris en tête. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout. Je me suis munie ouais, de ma pince cricket. Vous savez, la pince. Je sais plus, ça a un nom spécifique, mais je me rappelle plus le nom. Qui est très très pratique parce que du coup on peut tenir le bout avec cette pince-là et pas galérer, etc. Donc franchement, c'est. Quand on a des tout petits tons de rose, bah c'est franchement très très pratique. Je sais plus si je l'ai fait, mais je crois que je l'ai fait hors caméra, donc je le dis pendant que j'y pense. Je suis venue avec un stylo gel blanc mettre des petites touches de lumière sur mes roses. J'en ai mis aussi sur le lampadaire et j'arrive plus à me souvenir si j'en ai mis dans la chevelure. Donc vous verrez ça en fin de vidéo quand j'y serai. Donc là, tout doucement, j'enlève mon rouleau de masking tape. Enfin, ouais, c'est ça. Mon scotch masking tape, là. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vais ranger ma petite page dans mon carnet d'art journal spécial Shoe and Flower. Et puis, j'espère passer très vite au prochain défi.
Voilà, donc je vous laisse avec les photos, avec les petites touches de lumière, donc dans les cheveux également. C'est quand même vachement plus sympa. Je suis très contente du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.